Bonjour. Bonjour. François, on est où là? C'est quoi ce labo, ce CRI? Le CRI, c'est un lieu qui est un carrefour dans lequel les étudiants qui veulent créer des projets peuvent venir le faire, quelle que soit leur discipline d'origine et quelles que soient les envies qu'ils ont qu'ils ne pourraient pas développer ailleurs. Et j'ai lu que vous avez doublé d'effectifs tous les 18 mois en l'espace de 8 ans. C'est une explosion de. Ben en fait, on a commencé en partageant quelques tasses de thé avec les étudiants. Et progressivement, au début, on était un tout petit nombre. Et en fait, le bouche à oreille entre étudiants a fait que quand il y a eu un espace de liberté et que ça s'est su, il y a toujours eu plus d'étudiants qui ont voulu venir ici et qui ont contribué à faire la réputation de ce lieu et au succès de ce lieu. Et là, ça va devenir la fiesta? Alors, on voudrait que ça devienne effectivement la fiesta, c'est-à-dire une faculté pour l'innovation dans l'éducation, la science, la technologie et les arts. Et vous allez multiplier par 6 la superficie. Enfin, c'est ça va être un immense lieu où vous allez pouvoir accueillir. Ben en fait, ce qu'on voudrait, c'est faire l'open fiesta, en fait. On voudrait inviter toutes les communautés qui sont sur l'open source, mais aussi sur l'open education, sur la science ouverte, sur l'open art, l'open innovation, etc. Et pas que des universitaires. Et pas que l'universitaire. On veut s'intégrer au monde tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le savoir se crée au moins autant en dehors du monde académique que dans le monde académique. Mais les lieux universitaires doivent savoir s'enrichir des apports de ceux qui créent en dehors du monde universitaire. Alors, c'est quoi cette notion de open? Parce que vous avez parlé d'open recherche, open art. Enfin, c'est quoi open? Open, ça veut dire ouvert en anglais, et ça veut dire qu'on s'ouvre et qu'on permet à chacun de profiter de ce qu'on a pu créer individuellement. Et donc, c'est les exemples, c'est Linux, c'est Wikipédia, c'est des choses où des individus créent des contenus, des logiciels, des technologies, de l'art, de la science, et ouvrent ce qu'ils ont pu faire pour que d'autres s'enrichissent de ce qui a été fait et contribuent à ce qui a été fait. Et on a ainsi un écosystème, en fait, ouvert de co-création de choses toujours plus efficaces et toujours plus raffinées. Et d'où ça vous est venu cette idée d'hybrider comme ça les compétences et les savoirs et. Eh bien, en fait, moi, je travaille en biologie de l'évolution. Et en biologie de l'évolution, l'évolution progresse d'autant plus vite que, y a de la sexualité, c'est-à-dire du brassage génétique, c'est-à-dire de la recombinaison entre gènes. Et en fait, c'est la même chose dans le monde des idées. Plus les idées se recombinent entre elles, plus on peut les affiner, plus on peut les faire évoluer rapidement, plus on peut les adapter, dans un environnement qui change toujours plus vite. Donc plutôt que d'être énarque, fils d'énarque, arrière-petit-fils d'énarque, l'idée c'est de mixer au maximum. On veut, effectivement, ici, on a des gens qui viennent de disciplines très différentes, qui viennent de pays très différents. Dans le master, il y a 15 étudiants, il y a 10 nationalités. Et 15. Wow. Et j'avais lu qu'il y avait 80 personnes. Alors, en fait, il y a différentes promotions avec différents types d'effectifs, mais on a les étudiants qui maintenant vont de la première année de licence jusqu'au doctorat. Donc, on a différents étudiants. Au total, il y en a près de 200. Et on va effectivement probablement tripler nos effectifs dans les 18 mois qui viennent. Mais alors, comment ça se passe un cours s'il y a des gens qui travaillent en biologie, d'autres qui travaillent en physique des particules? Enfin, je dis ça, mais enfin, comment, si c'est si ouvert que ça, comment on fait pour apprendre aux étudiants? Alors, en fait, en début d'année, on réunit les étudiants et on essaie de voir qu'est-ce qui les intéresse. Ils viennent de mondes différents, mais on essaie de leur faire créer des projets ensemble sur des sujets émergents qui ne sont typiquement pas développés en France dans des cadres plus classiques. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui expliquez aux étudiants ce qu'ils doivent apprendre, c'est vous qui leur demandez qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Exactement. Moi, j'apprends de mes étudiants et j'apprends avec mes étudiants. Et c'est quoi l'avantage? Eh bien, ça veut dire qu'on peut bénéficier des dernières choses qui se font parce qu'eux-mêmes sont en train de regarder un cours en ligne aux États-Unis ou d'avoir lu un dernier article scientifique dans l'une des meilleures revues. Et chacun amène les dernières nouveautés qu'ils ont repérées sur Twitter ou ailleurs et on se nourrit mutuellement de nos richesses respectives. Alors, moi, j'avais lu dans un de vos textes, vous disiez que ce qu'il fallait faire, c'était apprendre à apprendre et apprendre aux gens à apprendre. Et là, vous êtes en train d'expliquer que vous, en tant qu'enseignant, en tant que professeur, chercheur universitaire, vous apprenez de vos élèves. Exactement. C'est-à-dire Ce qui n'est que. pas du tout la façon qu'on a d'identifier généralement un universitaire ou. C'est-à-dire que typiquement, le numérique, évidemment, mes étudiants connaissent mieux que moi. Il y a deux, trois petites choses qu'éventuellement je peux savoir et qu'ils ne savent pas forcément, mais on est là à partager ce qu'on sait en fonction de ce qui est pertinent par rapport au projet qu'on est en train de discuter. Et c'est ça ce que vous appeliez la maïeutique 2.0 ou l'école, l'éducation 2.0? Oui, c'est-à-dire que la maïeutique, c'est Socrate, c'est la naissance des idées. Et la maïeutique, c'est aussi la naissance des bébés.
et la manière dont les bébés naissent aujourd'hui, c'est très différent du moment où la mère de Socrate faisait accoucher les femmes. Donc on a fait des progrès technologiques sur la naissance des bébés, mais pas tellement sur la naissance des idées. Et donc en fait, on essaie de travailler à développer des technologies socratiques qui permettent justement la naissance des idées, l'émergence des projets, comment catalyser en fait les rencontres et permettre aux discussions d'être les plus productives possibles quand les gens viennent de mondes différents. Parce qu'il y a toujours un moment d'adaptation. Quand on ne se connaît pas, il faut apprendre à parler la langue de l'autre. Et d'une discipline à l'autre, on n'a pas les mêmes cadres de pensée, a fortiori quand on vient de cultures différentes. Et ces technologies socratiques, comme vous dites, c'est quoi par exemple? En fait, du temps de Socrate, il n'y avait que deux technologies en dehors de la parole. C'était l'écrit et la peinture. Et Socrate disait qu'il était contre l'écrit parce qu'on ne savait pas qui nous lirait. Et il était aussi contre l'écrit parce que quand on lit… Contre la peinture ? Oui, contre l'écrivain. Quand on lit, alors on ne sait pas, on ne peut pas poser la question à celui qui a écrit pour mieux comprendre. Et tout le questionnement socratique, c'était justement le dialogue. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée aujourd'hui des technologies qui permettent le dialogue ? Donc clairement, on voit qu'on a plus de dialogue sur Internet qu'à la télé, par exemple. Alors… Un des endroits ici aussi, c'est le Fabelier. Mm-hmm. Vous avez créé, donc Fabelier, c'est un entre Fab Lab et Hackerspace, un endroit où les gens en mode do-it-yourself, ils viennent et ils expérimentent des objets. Alors, ce sont les étudiants qui ont créé le Fabelier, c'est pas moi. D'accord. Donc chaque année, quand les étudiants arrivent, ils définissent les projets sur lesquels ils ont envie de travailler. Il y a quelques années, les étudiants m'ont dit, on veut créer un Fabelier, on veut se permettre et inviter différents acteurs à rejoindre ce qu'on fait pour co-construire des solutions technologiques à des problèmes qui nous intéressent. Et moi, je leur ai dit, allez-y. Et puis, au début, ils étaient quelques-uns. Aujourd'hui, il y a plus de 300 inscrits sur la liste du Fabelier, soit au moins autant que d'étudiants qu'on peut avoir ici. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'université, mais qui viennent ou qui peuvent participer au Fabelier. Exactement, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et entre autres réalisations ou entre autres projets, parce que moi j'ai vu qu'il y avait Angry Physics. Un des projets qui est drôle peut-être pour les gens qui sont ici, c'est comment est-ce qu'on connecte des neurones et de l'électronique. D'accord ? Et donc ici, vous êtes dans un laboratoire de biologie, et donc les étudiants créent des projets autour de la biologie, mais aussi autour de l'électronique et de l'informatique. Et donc comment est-ce qu'on conçoit une interface pour que des neurones parlent à des électrodes, le tout contrôlé par un programme informatique. D'accord ? C'est le genre de projet qu'ils ont fait naître ici. C'est un casque Non, c'est des neurones dans une boîte de pétri. Donc pour l'instant, c'est relativement soft, mais on peut imaginer que demain, d'autres types d'interfaces commencent à exister. Et d'ailleurs, il y a des interfaces qui se mettent sur le cerveau, mais à ce moment-là, on ne dialogue pas directement avec les neurones. On est plutôt en train d'essayer de comprendre ce que les neurones, les signaux électriques des neurones pour interpréter et commander une machine sans avoir à utiliser ses doigts, ce qui peut être utile si on est paraplégique, par exemple. Et alors, une autre chose qui m'a assez étonné, c'était, vous disiez que ce qui pourrait être intéressant, c'est que plutôt que de noter les élèves et les étudiants avec des QCM ou le fait qu'on leur demande de rabâcher ce qu'ils ont appris par cœur en cours, ils soient notés sur le fait de partager le savoir en dehors de l'école. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, ce que font les étudiants en licence ici, quand ils ont un contrôle continu en biologie, ils apprennent des notions de biologie, et ce qu'on leur demande sur l'ADN, les protéines, etc., c'est d'aller voir les pages de Wikipédia en français et en anglais. D'accord ? Et ce qu'on leur demande, c'est d'essayer d'améliorer au moins la page en français, et éventuellement même la page en anglais. Et donc, au passage, en fait, ils ont créé quelque chose qui va être disponible pour tous les autres apprenants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un écosystème d'apprentissage coopératif, parce que les apprentissages de l'un vont faciliter les apprentissages des suivants. Donc c'est vraiment de la transmission, non pas du « on ne va pas rabâcher le savoir et le remettre au professeur », on en fait profiter la collectivité. Exactement. Et en fait, on voudrait même idéalement réinventer même Wikipédia. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Wikipédia, si vous regardez la page sur Kant, et vous la comparez en français, en anglais, en allemand, vous apercevez que ces différentes cultures n'ont pas la même vision de ce philosophe. Mais en fait, c'est le cas de beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, il y a une certaine domination culturelle sur certains sujets. Et comment est-ce qu'on crée de la diversité culturelle et comment est-ce qu'on permet à chacun de se rendre compte qu'on peut avoir différents points de vue sur un même auteur ou sur une même idée. Prenez le colonialisme. Les Français, les Québécois et les Africains francophones n'ont pas forcément la même vision de ce que doit être la page sur le colonialisme. Alors que Wikipédia, pour l'instant, donne l'illusion d'un consensus.
Et en fait, il y a des grands combats hein, derrière. Dans les pages discussion. Dans les pages discussion, on peut les voir. Mais il y a des gens qui sont amusés à quantifier. Typiquement, si on prend certains conflits, on s'aperçoit que des deux côtés de la frontière, on n'a pas le même point de vue sur le conflit. Ouais. Alors, une autre proposition, c'était l'idée des pistes rouges, vertes et bleues sur Exactement. Wikipédia. Et donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des contenus qui soient adaptés aux enfants. Si vous prenez, si un enfant ou même un adulte arrive sur la page Proton, vous pouvez faire l'exercice. Si vous comprenez la page Proton, c'est que vous avez l'équivalent d'un master en physique. Si vous cliquez sur n'importe lequel des mots que vous ne comprenez pas, là, il vous faut un doctorat en physique. Mmh. D'accord ? Donc, on voit bien que le savoir est en théorie accessible et de facto, il y a une barrière de compréhension qui est telle que on pensait avoir un outil qui nous donne les moyens de faire des choses et au contraire, on se sent incapable de comprendre quelque chose. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est labelliser les pages et faire qu'il y ait des pistes vertes, donc des pistes faciles. Puis comme des pistes au ski, bleues, quoi. Comme au ski. Et avec des niveaux de difficulté différents et qu'on puisse créer, par exemple, une page Proton pour les enfants. Hein, si vous allez dans n'importe quelle librairie, vous pouvez acheter un dictionnaire pour les enfants de 6 ans, pour les enfants de 10 ans, pour les enfants de 15 ans ou pour les adultes. Et ben, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même chose dans Wikipédia ? Donc, c'est ce genre de choses qu'on voudrait et on voudrait qu'un enfant de 15 ans qui a compris un concept puisse créer une page pour lui-même et ses amis, mais aussi pour les plus jeunes, pour ses petits frères et sœurs, par exemple, etc. Mmh. Donc ça, on voudrait inciter, et c'est beaucoup plus facile de contribuer comme ça. Et ça veut dire qu'au lieu de faire des copier-coller un peu bêtes sur Wikipédia, parce qu'on n'a pas compris sur le fond, et donc si on n'a pas compris, on n'a pas pu se l'approprier, et donc on n'a pas pu le restituer de manière intelligente. Si c'est au bon niveau, alors on a plus de chances de s'approprier. Justement, une des restitutions possibles, c'est d'en faire, je sais pas, une BD dans laquelle on raconterait en manga ce que c'est qu'un proton, par exemple. Et c'est quoi les neurones ? Le projet de neuros. Alors, les neuros, c'est un projet où, en fait, on voudrait faire une monnaie, donc comme des euros, mais qui soit des euros de la connaissance, donc comme des neurones. Donc l'idée qu'on pourrait inviter les gens, à chaque fois qu'ils contribuent à produire quelque chose d'intelligent, ils pourraient être récompensés par les autres sous forme de neuros. Et donc, chacun, chaque citoyen, chaque enfant, chaque élève, chaque apprenant pourrait avoir un compte en neuros et pourrait le dépenser en disant bah, « Tiens, cette page-là, elle m'a vraiment permis enfin de comprendre ce que c'est qu'un proton. Donc, je suis super content et je voudrais rétribuer celui qui l'a créé. » D'accord. Et comment c'est perçu, ça, par vos collègues, par l'université en règle générale ou, tous ces projets-là, parce que c'est pas comme ça que fonctionne, ou en tout cas, c'est pas l'idée qu'on se fait du système pédagogique et éducatif. Je pense que le futur est en partie déjà là, mais simplement distribué de manière relativement hétérogène. D'accord ? Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler les meilleures initiatives et de les combiner pour essayer de créer des choses nouvelles. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Il se trouve qu'on a aujourd'hui la reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a donné un projet dans le cadre des investissements d'avenir pour qu'on puisse former ceux qui veulent réinventer les manières d'apprendre, les manières d'enseigner, les manières de faire de la recherche et les manières de combiner ces trois choses qui, en fait, depuis la naissance des universités modernes, se devaient, au moins dans la vision du fondateur Humboldt, devaient rassembler le meilleur de l'apprendre, le meilleur de la recherche et le meilleur de l'enseignement et la liberté de faire ces trois choses et de les combiner. Mmh. Et le web aujourd'hui permet ça. Donc, comment est-ce qu'on réinvente l'université à l'heure où Internet existe ? Ben, c'est un des défis sur lesquels on essaie de travailler. On essaie de former les étudiants qui se posent ce genre de questions. Pour qu'eux-mêmes ensuite puissent créer d'autres laboratoires de ce type dans d'autres universités, dans d'autres écoles. Exactement. Et qu'ils puissent aller expérimenter sur le terrain, dans des écoles, en maternelle, en primaire, en collège, au lycée, et qu'on puisse contribuer avec les acteurs de terrain, avec les enseignants, avec les élèves eux-mêmes, à réinventer des choses, à prototyper rapidement, à tester des choses et à améliorer ce qu'on aura conçu grâce à l'interaction, grâce au feedback de chacun. Et cette façon-là de coopérer avec l'apprenant, et non pas d'être dans la position du sachant qui va délivrer son savoir à quelqu'un qui va le recopier et l'apprendre par cœur, c'est quelque chose qui passe facilement ou il y a encore des barrières, des limites, des gens qui ne veulent pas, qui sont complètement rétifs à... Parce que là, on passe du stade vertical au stade horizontal. Enfin, vous compariez ça au web, mais... Clairement, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. La seule chose que je sache, c'est qu'en termes d'évolution, quand on est sur l'évolution horizontale, ça va beaucoup plus vite quand on est sur l'évolution purement verticale. Et donc, si on veut adapter un système, c'est beaucoup plus facile. Et si on veut s'adapter au monde qui change, c'est beaucoup plus facile de le faire en coopérant qu'en essayant de le faire de manière hiérarchique. Pourquoi ? Parce qu'en haut,
on ne peut pas tout contrôler. Alors qu'en bas, on voit ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, on peut s'adapter beaucoup plus rapidement. Donc, les systèmes, plus ils sont horizontaux, plus ils sont adaptables, plus ils sont réactifs. Et on est dans un monde où l'environnement change toujours plus vite. Hein, c'est le monde de la Reine Rouge de Lewis Carroll. Hein, la Reine Rouge, elle courait avec Alice pendant 10 minutes et elles n'ont pas bougé du pied d'un arbre. Et Alice dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas? Et la Reine Rouge lui a répondu, dans mon pays, il faut courir aussi vite que l'on peut pour rester en place. Et si on veut aller ailleurs, alors il faut se mettre à courir encore plus vite. Et aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à courir, mais on a aussi besoin de savoir où est-ce qu'on court. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi est-ce qu'on court finalement? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quel type de société on a envie de construire? Quelle éthique on associe à ces technologies? Parce que ces technologies sont toujours plus puissantes. Moi, le 11 septembre 2001, j'étais à New York. J'ai vu que la technologie, le Boeing, ce n'est pas une technologie hyper moderne. Néanmoins, elle peut être utilisée de manière très destructrice. Donc, comment est-ce que les technologies, on s'en sert pour construire et pas pour détruire? Parce que vous expliquez également que là, avec le système scolaire tel qu'il existe dans le monde entier, on va avoir de plus en plus d'étudiants. Il faudrait, je lisais, le nombre d'étudiants, 100 millions actuellement, va doubler dans les années à venir. Et pour y faire face, il va falloir ouvrir une nouvelle université par jour pendant 20 ans. Donc, c'est juste l'urgence dont vous parlez, le fait de courir, c'est qu'il y a, il y a réellement urgence aujourd'hui en France et dans le monde pour arriver à faire que dans 20, 40, 50 ans, on puisse faire face à l'afflux 1 d'étudiants et de savoir, parce qu'il y a de plus en plus de connaissances qui sont partagées. On ne peut plus être expert dans un domaine en particulier. Là, il y a une croissance exponentielle. Il y a 100 fois plus de publications scientifiques tous les 100 ans. Et le programme de prépa s'arrête en 1905 en physique. D'accord ? Donc, si vous êtes un des meilleurs étudiants de prépa, vous avez vu 1% de la physique. Un étudiant en prépa ne sait pas ce qui s'est passé de 1905 à 2013. Exactement. C'est juste dramatique. D'accord. Et donc, on a besoin de changer le système pour leur permettre de s'inspirer de ce qui est en train de se produire actuellement dans le monde entier. Hein. Et la France est un grand pays qui représente 1% de l'humanité. Si on représente 1% des innovations, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Mais ça veut dire qu'il y a aussi 99% des innovations dont on peut s'inspirer, qui viennent d'ailleurs et qu'on peut essayer d'adapter au contexte et aux spécificités françaises. Alors, un des exemples que vous employez, c'est, je crois que c'est au Danemark, où au Danemark, les étudiants, les lycéens, je ne sais pas à partir de quel âge, ont le droit non seulement d'avoir leurs livres, mais d'avoir un accès à Internet en classe, y compris lors des examens. Parce qu'ils sont notés non pas sur le fait de réécrire ce qu'ils ont appris par cœur, mais le fait d'arriver à identifier où ils vont trouver la réponse à la question qu'on leur pose. C'est quelque chose là que une bonne partie du système éducatif français, c'est une hérésie, de leur laisser les gens aller sur Wikipédia pour s'enseigner. Bah, disons que les Danois ont fait un constat très simple. Le seul jour où les élèves n'avaient pas accès à Internet, c'était le jour de l'examen. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on prépare les élèves? Est-ce qu'on les prépare pour passer des examens? Ou est-ce qu'on les prépare pour vivre dans un monde ouvert dans lequel Internet est accessible tout le temps? Et donc, ils se sont dit non, ce qu'il faut, c'est les sélectionner sur leur capacité, y compris à apprendre avec Internet, pas contre Internet ou sans Internet. Mmh. Et simplement, on ne pose pas les mêmes questions. On ne pose pas qu'est-ce qui s'est passé en 1515. Mmh. On leur pose une question. Si vous étiez en 1515, qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple? Et ça, ça les oblige à être créatifs, ça les oblige à comprendre ce qui s'est passé en 1515 et à s'approprier ces contenus et à essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'ils auraient pu faire en 1789, ou etc. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça forme aussi, pour le coup, des citoyens qui sont actifs. Donc, face à l'actualité, ils se disent, tiens, aujourd'hui, il y a une révolution dans le monde arabe, ou il y a une révolution, il y a les indignés en Espagne, comment est-ce que moi, je me positionne? C'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, dites-moi si je me trompe, ce que vous expliquez, c'est qu'il est très important d'avoir en face de soi des élèves ou des étudiants qui sont des acteurs et non pas des spectateurs, ou qui se contentent d'ingérer la bonne parole qu'on leur enseigne. Ils doivent être, effectivement, pas spectateurs, mais au moins acteurs et même auteurs. D'accord ? Et donc, ils doivent eux-mêmes contribuer à produire des connaissances. Et à apprendre à l'enseignant des choses que l'enseignant ne savait pas forcément. Et forcément. Je veux dire, prenez l'utilisation d'un téléphone portable, typiquement, vos élèves en savent plus que vous. Enfin, il y a quelques geeks parmi les profs, mais c'est assez évident. D'un point de vue purement égoïste, c'est encore plus kiffant d'être prof quand il y a les élèves qui vous apprennent des choses que si on se contente de leur apprendre, votre savoir, non? Je pense qu'un des plus grands bonheurs, c'est d'apprendre quelque chose. Et pourquoi est-ce que les enseignants seraient les seuls à ne pas avoir ce bonheur? S'ils apprennent avec leurs élèves et qu'ensemble, ils résolvent des problèmes qu'ils ne pourraient pas résoudre chacun séparément, c'est encore mieux. Et s'ils voient que leurs élèves dépassent, y compris ce qu'eux savent, c'est forcément agréable. Mmh. Mais simplement, ça peut éventuellement les remettre en cause. Donc, il faut accepter cette remise en cause. Et c'est jamais facile.
Et alors, c'est quoi également cette culture du questionnement qu'il y aurait dans le système pédagogique finlandais? C'est cette capacité de se remettre en question, même y compris en tant qu'enseignant? C'est effectivement se remettre en question en permanence. C'est-à-dire que quand on est dans un... Si on était toujours dans le même monde et qu'on était parfait, on n'aurait pas besoin de se remettre en question. Mais d'abord, il y a relativement peu de gens parfaits, en tout cas pas moi. En plus, le monde bouge. Et comme le monde bouge, si on était parfait hier, ben demain, on ne l'est pas. Et aujourd'hui, on ne l'est pas forcément non plus. Et donc, on est en fait en permanence. On a besoin de se questionner en permanence. On a besoin de réinventer les manières d'enseigner, d'apprendre et d'être un acteur de la cité. Je trouve qu'une des meilleures façons d'introduire ce que vous défendez, c'est ce que vous racontiez sur l'arrivée de votre fils à l'école maternelle, où il y a un enseignant qui se plaint parce que votre enfant, il est adorable, mais il pose trop de questions. Et où là, vous dites, non mais... Et donc, effectivement, depuis ce jour-là, moi, j'ai questionné le système éducatif. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire, par exemple, aujourd'hui, c'est de créer des outils pour que les enfants puissent poser des questions. Il y a plein de sites de type Tackle of Flow qui sont des types de questions-réponses, mais on essaie d'en inventer pour des enfants, d'accord? Où un enfant peut dire « Pourquoi est-ce que le ciel est bleu ?» Et ça, il peut fatiguer ses parents, sa maîtresse, tout son environnement autour de lui, mais sans avoir obtenu sa réponse. Alors que si on crée un environnement numérique dans lequel il peut poser sa réponse, il peut poser sa question, et il peut trouver d'autres enfants qui vont contribuer à lui donner une réponse. Et cette réponse peut être pertinente d'un point de vue scientifique, mais elle peut être aussi pertinente d'un point de vue poétique ou d'un point de vue humoristique. Et donc, on peut inviter les enfants à proposer différentes variantes et à leur dire qu'il y a différents niveaux de réponses. Et chacune de ces réponses peut être elle-même une réponse évolutive. Parce que vous pouvez partir d'une réponse poétique, d'une réponse drôle et d'une réponse pertinente scientifiquement, les recombiner et faire une petite vidéo qui a ces trois composantes et qui va permettre à chacun de comprendre à la fois pourquoi est-ce que le ciel est bleu scientifiquement, mais aussi de rêver à qu'est-ce qui se passerait si le ciel changeait de couleur, par exemple, ou etc. D'où l'intérêt d'utiliser Twitter en classe, d'où l'intérêt d'utiliser Wikipédia, même y compris quand c'est des enfants. Exactement. Par exemple, Twitter en classe, les gens l'utilisent non seulement au CP, mais même en maternelle. Pourquoi? Parce que Twitter, c'est un outil de communication. C'est un outil qui permet d'exprimer des choses et de recevoir, face à quelque chose qu'on a exprimé, une réponse. Et donc, c'est formidablement motivant pour les enfants. Et donc, en fait, les enfants, ils adorent pouvoir écrire un tweet ou pouvoir le dicter à l'adulte quand ils sont en maternelle, ou en tout cas, et ils ont envie de lire la réponse. Donc, tout d'un coup, ils ont envie d'apprendre à lire. Il y a une interaction Il y a une interaction qui n'est pas seulement en machine. Et avec les autres C'est une relation médiée par la machine entre humains. Et entre humains, non seulement à l'intérieur de la classe, mais en dehors de la classe. Les parents vont pouvoir contribuer, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, mais aussi les autres classes. Quand une classe est en train de lire un livre et qu'une autre classe au Canada est en train de lire le même livre et qu'ils sont en train de commenter ce livre, les enfants sont super motivés. Et s'ils peuvent en plus poser des questions à l'auteur, via Twitter, ce qui se fait de plus en plus, alors c'est carrément incroyable. On a une idée du nombre de classes qui utilisent Twitter comme ça ou ce genre de dispositif? C'est déjà plusieurs centaines et ça croît tous les jours. C'est plus ou moins facile. En France. C'est plus ou moins facile à faire parce qu'on n'a pas toujours équipé, mais je pense que c'est un bonheur pour l'enseignant et pour les élèves. Et les enseignants qui sont sur Twitter apprennent les uns des autres et progressent beaucoup plus vite grâce à ça. Ouais. Et vous pouvez nous parler de cette histoire de publication scientifique faite par des enfants de 8 à 10 ans sur des abeilles? C'est incroyable, effectivement. C'est pour moi une rupture de paradigme. C'est une anomalie au sens originel du terme, parce que ça sort de la norme. Mais c'est aussi porteur d'espoir, parce que ça veut dire que si ces enfants-là ont pu le faire, peut-être que d'autres enfants pourront le faire. Et donc, en ce moment, on est en train de travailler à Bagneux dans une ZEP éclair avec Ange Ansour, qui est une enseignante formidable, et des chercheurs qui sont des spécialistes des fourmis, avec des enfants. Et ce sont les enfants qui développent leur questionnement sur les fourmis, essayer de comprendre comment les fourmis coopèrent, comment est-ce que les fourmis s'organisent. Et ils les observent et leurs observations, ils les mettent sur Twitter. Et l'autre jour, ils avaient une surprise en classe. Il y avait quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Les fourmis avaient construit une muraille, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils ont demandé aux chercheurs. Les chercheurs ne savaient pas. Et ils ont mis sur Twitter, mystère, en classe. Et à ce moment-là, il y a plein d'enfants de plein de classes différentes qui ont commencé à proposer des hypothèses. Et moi, j'y suis allé, puis on a discuté ensemble de comment est-ce qu'on pouvait tester ces hypothèses. Et les enfants, ils prennent leurs pieds, et puis moi aussi, et puis tous ceux qui les suivent sur Twitter aussi. Donc, si vous suivez @classeensour, et ben, vous les retrouverez, et puis je vous encourage à le faire, vous allez vous amuser. Et donc là, juste pour revenir sur cette histoire d'abeilles, en fait, c'est sur le même principe que ce que vous racontez sur les fourmis. Ils ont commencé à se poser des questions et à élaborer des hypothèses, et à l'arrivée,
ils en sont arrivés à écrire, enfin, c'est peut-être pas les enfants eux-mêmes de 8-10 ans qui ont écrit l'article, mais... C'est les enfants qui ont écrit l'article. C'est le 8 à 10 ans. L'article commence par « Il était une fois », ce qui est une signature d'enfant, je peux vous dire, parce que moi, je n'avais jamais vu d'article écrit comme ça. Mais les résultats montrent que les bourdons sur lesquels ils ont travaillé reconnaissent pas seulement les couleurs dans les fleurs, mais aussi les motifs. Mmh. D'accord ? Et ce sont eux qui se sont posé cette question. Mmh. Et ils travaillaient avec un chercheur qui leur a dit « C'est une bonne question, personne ne connaît la réponse, on va poser la question aux abeilles. » D'accord ? Parce qu'il leur avait dit « La science, c'est un jeu, et le but du jeu, c'est de comprendre à quoi joue la nature, à quoi jouent les abeilles. » Et donc, il avait envoyé les enfants dans les champs à essayer de s'imaginer abeilles et imaginer qu'est-ce que les abeilles pourraient se poser comme question, à quel jeu elles pourraient jouer. Et il les a invités à revenir et à essayer de partager leur questionnement. Et ils ont créé un protocole expérimental pour tester ça. Et c'est les enfants qui ont dessiné les figures de l'article, c'est les enfants qui ont compté, etc. Il y a une vidéo sur TED qui raconte cette aventure, c'est exceptionnel. Et alors, très bonne transition, justement, je voulais vous parler avec vous des jeux, parce que vous parlez régulièrement des jeux de découverte scientifique, de l'importance de jouer pour apprendre. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de eGame for Her, par exemple? Alors, en fait, on est en train, sur egameforher.org, on est en train de lancer une compétition internationale de jeux de découverte scientifique et de jeux éducatifs. D'accord ? Mmh. Et l'idée, en fait, c'est parti d'une autre anomalie. Il y a 350 000 joueurs sur un jeu qui s'appelle Foldit qui ont réussi à résoudre ensemble des problèmes que les chercheurs n'arrivaient pas à résoudre seuls, même avec les plus gros ordinateurs et les plus grosses puissances de calcul. Parce que le cerveau humain, en particulier quand on sait le mettre en réseau et qu'on sait utiliser l'intelligence collective, est capable de résoudre des problèmes que l'intelligence individuelle des chercheurs et la puissance de calcul des ordinateurs ne sait pas résoudre. Mmh. Et donc ça a été montré dans un premier cas, puis dans de plus en plus. Et donc on se dit, mais peut-être probablement que tous les problèmes scientifiques ne seront pas résolus comme ça, mais il y a un sous-ensemble de problèmes scientifiques qui peut être résolu comme ça. Et donc ce qu'on veut faire, c'est inciter des chercheurs, des gamers, des game designers, des joueurs de tous âges à venir ensemble, à penser de nouveaux jeux comme ça et à les tester et à les améliorer. Parce que ce jeu n'était pas un jeu fantastique au début, mais ils l'ont fait évoluer. Chaque fois qu'il y avait des nouveaux joueurs, on leur proposait des interfaces légèrement différentes et on faisait évoluer le jeu lui-même pour qu'il soit toujours plus efficace, toujours plus agréable à jouer et en même temps pour que chaque joueur contribue toujours plus au progrès des sciences. Et les joueurs ont non seulement su trouver des solutions, ils ont su inventer des manières de trouver des solutions. Mmh. D'accord ? Donc ça, c'est de la recherche déjà très avancée. Et donc ce qui est intéressant, c'est aussi d'inviter les joueurs à proposer pas seulement leur capacité à résoudre des problèmes, mais leur capacité à poser des questions. Mmh. D'accord ? Donc là, par exemple, on est en train d'essayer de développer un projet entre les enfants et les chiens. D'accord ? On veut que l'enfant, et plus généralement propriétaire de chien, qui aime son chien, veut le comprendre. C'est généralement le meilleur spécialiste de son chien, de son comportement. Mais comment est-ce qu'on peut leur donner des outils pour qu'ils deviennent le meilleur chercheur sur le chien et qu'ils puissent partager leurs observations, quantifier leurs observations ? Et donc, on est en train de mettre ce qu'il y a dans un téléphone portable en termes de capteur de mouvement et d'accélération autour du cou du chien. Et on peut mesurer comme ça tous les mouvements du chien. Et on peut les quantifier et on peut les partager. Et on peut se dire, tiens, est-ce que mon chien bouge plus aujourd'hui qu'hier ? Est-ce qu'il est malade ? Est-ce que ça dépend de son génotype, donc de sa race ? Est-ce que ça dépend de son environnement, de ce qu'il a mangé, de la température ? Et puis ça, on peut le faire à différentes échelles. Après, on peut partager ça. Et puis on peut dire, tiens, les chiens de telle race ont plutôt tel comportement ou plutôt telle pathologie avec l'âge. Donc on peut développer des projets de recherche vraiment ouverts dans lesquels on s'amuse avec son chien au départ et progressivement, on contribue à améliorer des bases de données, à améliorer des logiciels d'analyse des données. Et on peut partager tout ça. Et on peut, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de créer une interface dans laquelle les enfants, les joueurs, les citoyens peuvent publier leurs observations scientifiques. D'accord ? Et parce qu'aujourd'hui, pour publier un article scientifique, il faut appartenir au monde académique. Et donc, ce qu'on veut, c'est de même c'est que l'open pour... publishing. C'est de l'open publishing, exactement. Le fait de pouvoir sortir ses découvertes sans attendre la validation par les pairs qui existe généralement dans le milieu académique universitaire. Où quand on fait une découverte, on le propose à d'autres universitaires qui, au bout d'un an ou deux ans, le valident et c'est publié dans un journal papier qui vaut une fortune et que personne ne lit. Exactement. Là, l'idée, c'est de le publier directement. C'est de le publier directement. Et évidemment, la première observation ne va pas forcément valoir un prix Nobel.
belle. Mais l'idée, c'est que comme tout est open, on peut contribuer à ce que quelqu'un d'autre a fait. Mmh. On peut lui dire, tiens, moi j'ai fait une observation complémentaire, ou j'ai essayé de reproduire, j'ai réussi ou pas. Quand je fais ça, j'y arrive. Et on peut ensemble mettre en les bouts de progrès qu'on a fait chacun. Comme dans les logiciels open source, simplement on fait de la science ouverte. Et de même qu'un logiciel open source évolue en permanence, et bien une publication open va évoluer en permanence. Et on va inviter toujours plus d'acteurs à le tester, le valider, éventuellement le réfuter, éventuellement le dupliquer et dire « Ah non, mais moi, je pense que c'est quelque chose de différent de toi », comme dans les logiciels, on peut forquer deux parties du code. Ça, c'était quelque chose qui s'est beaucoup répandu aux États-Unis, qui avait il y a quelques années encore un peu de mal à se répandre en France parce qu'on est très jacobin, enfin centralisateur. Et ça y est, en France, le mouvement est lancé, de plus en plus de gens partagent comme ça leur recherche. Honnêtement, on est au début de ces choses-là. Ouais. Mais il y a toujours plus de gens qui se réunissent pour parler de open science, open data et open technology. Et ce qui est vrai, c'est que dans les grandes universités américaines, si elles sont ce qu'elles sont, c'est parce qu'il y a le meilleur de la science, le meilleur de la technologie et le meilleur de l'éducation. Mmh. Si on veut rendre accessible à tous la société de la connaissance, alors il faut que open science, open technology et open education se parlent. Mmh. Et c'est des communautés qui trop souvent s'ignorent. Et donc, un des rôles de ce qu'on essaye de faire et des 6000 m² dont on va disposer, c'est d'inviter ces communautés à travailler ensemble et à faire que les étudiants apprennent comment est-ce que je peux utiliser des logiciels open source de statistiques pour travailler sur des open data, pour faire de l'open publication derrière. Et donc, comment est-ce que ces différentes briques, on peut les intégrer et faire en sorte qu'elles ne soient pas accessibles uniquement à quelques geeks, mais que chaque citoyen, chaque enfant qui a envie de s'engager dans ce genre de démarche puisse le faire. On veut aussi créer des outils de formation des enseignants et des parents qui voudraient accompagner leurs enfants dans ce genre de démarche. Hein, donc vous savez qu'il y a des MOOC, les Massive Online Open Course. Ah, est-ce que vous pouvez parler de ça justement, les MOOC, parce que la majeure partie des gens ne savent pas ce que c'est. Donc en fait, c'est parti il y a à peu près 2 ans maintenant aux États-Unis. Et le premier cours qui a été mis en ligne, c'était un cours de Stanford. Il y a eu plus de 100 000 inscrits à ce cours, soit infiniment plus que le nombre d'étudiants qui le suivaient classiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que le meilleur étudiant de Stanford était seulement 500e par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il y a le nombre de cerveaux intelligents est évidemment bien supérieur au nombre de gens qui peuvent accéder à Stanford. Et quand on a ouvert ces cours en ligne, eh bien, il y a toujours plus de gens qui y vont. Ça croît plus vite que Facebook. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'apprenants de par le monde, qui sont pour certains des étudiants, pour d'autres des professionnels, voire des lycéens, voire des gens à la retraite, etc., des gens de tous âges, qui profitent de ces connaissances librement accessibles. Sur les cours de Stanford? Sur des cours de toutes les meilleures universités américaines. D'accord. Et Polytechnique va s'y mettre l'année prochaine. Il y a déjà eu un cours à Lille. Il y a de plus en plus de cours, y compris en France, qui se développent comme ça. La vraie question, c'est qui possède ces cours? Qui possède les données qui sont produites dans ces cours? Parce que dans ces cours, on invite les apprenants à produire de nouvelles connaissances, à partager des choses. Mais aujourd'hui, dans la plupart des cas, ça appartient à les entreprises privées. Donc la question, c'est est-ce qu'on va vers une société de la connaissance qui est une société anonyme, au sens où elle appartient à quelques start-up américaines, ou est-ce qu'on invente des systèmes qui sont justement ouverts? Parce que ces cours sont en principe ouverts, ils sont ouverts en termes d'inscription ouverte, ça veut dire que tout le monde peut s'inscrire. Mais le contenu n'est pas ouvert, les données ne sont pas ouvertes, et le logiciel qui lui permet de faire tourner ces cours ne sont pas ouverts non plus, en tout cas pas la plupart d'entre eux. Donc on n'a pas le droit de partager le savoir en fait. Exactement. Et donc ça c'est un vrai problème parce qu'on ne peut pas non plus l'actualiser. On ne peut pas l'adapter à un contexte local. Ouais. Donc il y a plein de choses qui font que ça bloque le progrès des connaissances. Par exemple, hier je discutais avec des collègues de Paris Descartes qui développent des jeux pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire quand quelqu'un a un arrêt cardiaque ou qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est enceinte et qu'on a la joie d'attendre une naissance, mais on a un peu d'angoisse autour de cette joie. Donc comment est-ce qu'on peut être formé à cet événement merveilleux et aux mesures de précaution à prendre? Donc pour l'instant, ils ont fait un jeu pour expliquer à une maman française qu'est-ce qu'elle devrait faire. Mais une maman au fin fond de l'Afrique, elle a encore plus d'angoisse parce que le taux de mortalité des mamans, il y a des pays où il est supérieur à la probabilité qu'une fille arrive jusqu'au bac. D'accord? Donc ça vous donne un peu les enjeux dans un certain nombre de pays. Donc, Donc on dit que l'accès au savoir est quelque chose qui peut tuer, enfin le fait de ne pas avoir accès au savoir est quelque chose de mortel et de létal. Enfin, c'est... Exactement. Et ce qui a été montré, c'est que plus une femme, une petite fille, accède à l'école, plus elle a d'années d'école, plus elle a de chances, un, de survivre, deux, que ses enfants survivent. D'accord ?
Donc c'est juste essentiel, cet accès au savoir. Effectivement, c'est potentiellement un crime, une absence, comment on dit, non-assistance à personne en danger. C'est exactement ça. C'est de la non-assistance à personne en danger. Ne pas ouvrir la connaissance, c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc je pense qu'il est vraiment important, en termes de société, pour savoir dans quel monde on veut vivre, il est important de s'engager vers ça. Si vous prenez par exemple même des cours, des contenus disponibles en France, si vous voulez les adapter à des enfants qui ont des difficultés parce qu'ils sont handicapés par exemple, ils ont des problèmes de vue ou des problèmes d'audition, etc. Si vous voulez modifier les contenus pour les rendre accessibles à ce genre de public, aujourd'hui vous n'avez pas le droit. Donc ça aussi c'est de la non-assistance à personne en danger. Après on s'étonne qu'autant d'handicapés aient du mal à s'insérer sur le marché du travail, et, etc. Mais en fait ils n'ont déjà pas pu apprendre, alors qu'en fait ils sont évidemment aussi intelligents. Mais simplement, il faut pouvoir développer leurs intelligences et adapter. Il faut avoir le droit d'apprendre. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'apprendre parce qu'on leur interdit de lire. Parce que les contenus sont fermés, qu'on ne peut pas les adapter à ce type de public. C'est un des exemples que je trouve très parlant que vous évoquez. Je ne sais plus si c'était avec des babouins ou les femelles avaient réussi à trouver une technique pour laver le riz et enlever le sable pour pouvoir le manger, et qu'en fait les jeunes avaient adopté l'innovation très rapidement, que les derniers à s'adopter à cette innovation-là, c'était les mâles dominants. Et que, sous-entendu, grosso modo, le problème pour l'évolution, tout ce que vous me racontez là depuis une demi-heure, le principal problème pour cette évolution-là, c'est les mâles dominants, ceux qui contrôlent le pouvoir et qui ne veulent pas le perdre. Je pense que c'est un des gros problèmes. Il y a un autre problème qui est un peu lié, qui est que, en fait, c'est... Semmelweis, c'est le premier médecin à avoir dit quand on sort d'une salle d'autopsie et qu'on rentre dans une salle d'accouchement, entre les deux, on se lave les mains. Quand il a dit ça, aucun de ses collègues médecins n'a voulu le croire. D'accord ? Et on voit bien, il y avait 10% de mortalité des femmes à l'accouchement à cause de ça. Et en fait, quand il a dit ça, il a dit « si vous lavez des mains, vous sauverez des vies ». Mais les gens ont entendu, consciemment ou inconsciemment, pendant des années, on ne s'est pas lavé les mains et donc on a tué des gens. D'accord. Et donc, ce qu'il faut, c'est, si on veut éviter cette stigmatisation, il faut changer le discours. Et le discours que moi, j'essaie de tenir, c'est le système était peut-être parfait hier, d'accord, mais on est dans un monde différent aujourd'hui et encore plus demain. Personne ne sait quels seront les emplois les plus demandés dans 10, 20 ou 30 ans. Et pourtant, les jeunes d'aujourd'hui, ils seront sur le marché du travail encore en 2060, 2070 peut-être même. D'accord. Donc, il faut... arriver à les former pour qu'ils puissent s'adapter à cet environnement toujours changeant. Et qu'ils puissent apprendre à apprendre et évoluer au gré de l'évolution des technologies. Et... Exactement. Et donc c'est absolument clé parce que les enseignants qu'on forme aujourd'hui, dans 40 ans, ils formeront encore des élèves. Donc c'est des élèves qui, eux, verront le 22e siècle. Donc c'est vraiment clé de former les enseignants à comprendre comment est-ce qu'on s'adapte à un monde qui change, comment on permet aux élèves d'utiliser les technologies pour le meilleur. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'accéder à la technologie, ça semble améliorer les résultats, ce qui n'était pas gagné, en tout cas pour beaucoup de gens. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que plus vous venez d'un milieu favorisé, plus c'est vrai. Plus vous avez de livres à la maison, plus c'est vrai. D'accord ? Donc, si on ne veut pas que les écarts se creusent et que la société aille vers toujours plus de tensions entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, il faut que l'école soit l'endroit où on apprenne à utiliser ces technologies intelligemment. Et donc, il ne faut pas que les technologies soient en dehors de l'école. C'est comme on apprend à traverser la rue. Et ben on doit apprendre à naviguer sur le web. Ce n'est pas parce qu'il y a des bêtises sur le web aussi, dans les rues aussi, il y a des choses qui sont dangereuses. Et partout, il y a des choses qui sont dangereuses. Ce qu'il faut, c'est apprendre à maîtriser le danger, apprendre à développer l'esprit critique, à développer l'esprit de synthèse, à essayer de recouper les sources, à essayer de comprendre comment est-ce qu'on gère des flux d'informations très hétérogènes. Comment est-ce qu'on va des données à l'information, de l'information à la connaissance, et de la connaissance éventuellement à une éthique partagée. Et ça, c'est d'autant plus difficile qu'en même temps, le système scolaire a été fait sur fond de révolution industrielle pour former des cadres supérieurs qui allaient diriger des ouvriers, pour former des chefs d'entreprise ou pour former des énarques ou des chefs et pour vraiment une sorte d'élite verticale où celui qui a 20 sur 20, il a beaucoup plus de chances, a priori, de finir PDG ou que celui qui a zéro. Il faudrait aussi bouleverser aussi ce schéma-là, si je comprends bien. Exactement, c'est-à-dire que déjà, essayer de faire un système compétitif, ce n'est pas forcément bon pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y en a certains qui vont réussir mieux que d'autres par définition. Et que ça va décourager certains et ça va rendre arrogants les autres. Donc ça, ce n'est pas spécialement bon, premièrement. Deuxièmement, il y a plein de formes d'intelligence différentes.
Donc vouloir classer tout le monde, vouloir classer les écoles, vouloir classer les gens qui rentrent dans ces écoles, vouloir les classer quand ils sortent de ces écoles et vouloir leur faire croire que parce qu'il y en a un qui est sixième et l'autre qui est septième, toute leur vie, ils seront différents, et j'ai vu des exemples réels de ce genre de choses, c'est quand même très embêtant. Ce qu'il faut, c'est dire non. Il y a un proverbe japonais qui dit « aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous ». Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à utiliser l'intelligence collective et à s'en servir pour résoudre les problèmes que chacun peut avoir et que la société, auxquels la société doit faire face. Donc ne pas seulement être en compétition, mais en coopération. Exactement. Il faut apprendre à coopérer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas complètement au cœur du système éducatif aujourd'hui. Et pourtant, c'est juste essentiel pour demain. Dans les entreprises, on a besoin de coopérer avec des gens avec qui on ne s'entend pas forcément, qui n'ont pas forcément la même formation que soi, et on a besoin ensemble de faire avancer un projet. Dans une association, c'est pareil. Dans une famille, c'est pareil. Donc on doit apprendre à travailler et à comprendre comment est-ce qu'ensemble, on peut faire des choses que seul, on ne saurait pas faire. En même temps, ce qui est très étonnant, c'est que tout à l'heure, au début de l'interview, on parlait du CRI, où un jour, vous avez commencé à essayer de mettre en place des étudiants qui venaient de différentes filières. Et là, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est qu'en fait, dans cette société de l'information et du savoir, il faut arriver à pouvoir travailler avec des enfants, des enseignants, des étudiants, des lycéens, des personnes âgées, des entrepreneurs, des associations, des ONG. Enfin, que, en fait, le problème de l'éducation, de la pédagogie et de la recherche, c'est le problème de tout le monde, en fait. C'est exactement le problème de tout le monde. Il y a de plus en plus de citoyens qui s'impliquent dans des projets de science, qui contribuent à obtenir des données, à les analyser, à poser des questions. Et là, on vit de multiples crises. Je ne pense pas qu'un génie seul saura résoudre même une de ces crises, alors qu'il y en a plusieurs de crises. Pour arriver à trouver des solutions à ces crises, il faut mobiliser toutes les intelligences et arriver à adapter les solutions à la fois à chaque spécificité locale, à chaque contexte, mais en même temps à penser les impacts globaux. Parce que s'il ne suffit pas de résoudre le problème à un endroit, et créer plein d'autres problèmes dans d'autres endroits. Waouh ! Il y a du boulot, mais c'est passionnant. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci.